Grande ma joie de vous savoir nombreux à suivre Congo Buzz Télévision, fidèles internautes. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Qu'en pense l'Équinois. Nous sommes sur terrain pour échanger avec la population en ce qui concerne la date du 4 janvier. 4 janvier 1959, 4 janvier 2022, soit 63 ans déjà depuis le martyr de l'indépendance. Voilà pourquoi nous sommes sur terrain pour échanger avec la population afin de savoir le prix, afin de réaliser le prix de cette journée. Sans plus tarder, je nous laisse suivre les avis des uns et des autres quant à ces sujets suivants. Mbote Ndeko. Mbote Maman. De retoquiter sur le terrain qu'on échange et qu'on solo là. Là, bah, imboko, tokuti na oesika. Nali, kambetali date, c'est le 4 janvier. Et ton kongoman ya solo. Et rappel à yon, ni date, c'est le 4 janvier, n'a mboka na biso. Merci, maman, pour la moutouna. En tant que Congolais, n'a ébigé le 4 janvier, zada tout, tout commémorer les martyrs de l'indépendance. Bato, babundi, pour que mboka na biso, et comme indépendant lelo. C'est que date, c'est le 4 janvier, n'a ébigé le 4 janvier, Est-ce que les Congolais ont été considérés comme étant réellement indépendants? Merci. Naibike, indépendance est banana nous, au niveau ya mutu à mutu. Ce qui binon botie na mutu que nous sommes totalement indépendants. Beaucoup réfléchir, beaucoup sala musala pe, beaucoup bon samour par rapport à dernier binon mo besoin de sentir indépendant. Alors si les Congolais na mutu naie, atika que non, nous dépendons toujours des autres. Indépendance sont les anatinatés. Or que bato ba bunda pour notre indépendance. Ils avaient un but. Le but était que Mboka na biso loko eza au centre de l'Afrique. C'est un pays qui doit être un pays solution, un pays qui doit être un pays qui réunifie toute l'Afrique. Oh, ils ont dit que nord, sud, est et ouest, ils allaient réunifier. C'est par notre pays que cela doit se passer. Alors, ce qui est babouna pour que Mboka na biso l'indépendance, pour que la place où il y a Congo, ils allaient Bongo. Bazaki na makanisyon na biso lelo tozo tia makanisyon na mitu na biso seke nous voyons que tina indépendance au bandeau lukawa na izate. Mais en gros, tomoni ba eba koufaka ezaka sin moya sacrifice. Est-ce que aujourd'hui dans les esprits des Congolais, toki ko retrouve esprit à sacrifice au bansien na biso ba koufaka pour l'europe sa biso voix enfin to afin que to adhéré na indépendance? La plupart des Congolais, je ne pense pas qu'ils aient un esprit à sacrifice. La plupart, même 90%, 95% d'esprit à sacrifice. Or, pour l'indépendance, ils avaient un esprit de sacrifice. Nous voulons que les Congo aillent de l'avant. Tous les gens sont forts au centre de l'Afrique. Mais les autres, plus les Congolais aiment leurs propres poches, leurs propres ventes, leurs propres intérêts, l'intérêt commun, l'intérêt communautaire. Wana ezota la bangote. Or que le père de l'indépendance, ils avaient cet esprit là ya kota la congolais tika souffrance à sa la musala pour qu'il a se retrouver dans Mboka na avant d'amona qu'effectivement je suis dans mon pays. Mais actuellement, c'est comme si les Congolais n'ont pas cette idée, n'ont pas cet esprit là en soi. C'est que actuellement, tout le monde va vivre à Bongo. Donc vaille que vaille. Or que ce qui te l'a dit bien, important ce bango oyo bato oyo ba bundi pour que le pays soit indépendant. État d'esprit bazaki nango c'était pour que le pays soit plus loin possible que les au place aux alliés. Si nous voulons un peu revenir en arrière, tozong atoko ta esprit oyo bango wana, je pense que Congo lelo eko changer. Le coup changé totalement parce que nous sommes un pays, pas seulement indépendant par les noms, mais nous sommes totalement indépendants parce que nous, Congolais, nous voulons être indépendants comme ça. Alors, de ce fait, en pensant à ceux qui sont morts et à nous qui sommes en vie actuellement et de nos jours, si vous devriez dire un mot par rapport à cette date du 4 janvier, qu'allez-vous dire? Je pense que nous devons prendre la conscience. Bisso Lelo, il faut avoir la conscience qu'il y a les gens qui ont payé de leur sang pour ces pays, des familles toutes entières. Hein? Ils ont tout fait pour que Congo, Ezala Lelo, Congo, un pays indépendant. Alors nous, la génération qui avons hérité cette indépendance-là, qui avons hérité cet esprit-là, c'est comme si la conscience n'est plus. Alors nous devons remettre notre conscience à sa place pour que, total, le combat au Bango, on a un combat 20 ans. Ils avaient raison de se battre pour que notre pays soit totalement indépendant. Alors, résultat, on est à Nini.
musala otozo sala lelo place otozo me mamboka lelo bolingo otozo nango na mboka parce qu'ils travaillaient dans l'unité, ils travaillaient dans l'amour et ils le faisaient pour les générations futures. Alors ceux qui bango balégué biso combat wana pour que le pays soit indépendant. Alors qu'est-ce que nous à notre tour nous allons léguer aux générations futures et que tant on va avoir na pe batali que notre génération et la génération passée, bah, les gars qui pour la génération future, je pense que nous serons ça doit être des sujets de réflexion, des sujets à tout vendre, tout manuela. Qu'est-ce que nous devons exactement faire? Total, en dépit de ce qui peut nous diviser, qu'est-ce qui nous réunit? Qu'est-ce qui est comme un point commun? Le point commun, c'est notre pays, c'est le Congo. Si le Congo gagne dans tout ce que nous faisons, c'est ce que nous allons au moins laisser à la génération future. Mais une chose aussi, je voudrais que, en dépit de quelques, peut-être un seul monument sur Kimpwanza, qu'on puisse au moins penser à un mémorial où on peut, quand on arrive à cet endroit-là, tout le monde qui est là, c'est érigé par rapport aux gens qui ont donné de, payé de leur sang pour ces pays. Total mémorial, total attend à miser, tout le monde qui est place, c'est par rapport. C'est alors que cet endroit nous rappelle tous les martyrs de l'indépendance. Mais le Kouana, c'est comme si dans notre pays, il n'y en a pas. Que le gouvernement pense au moins à nous donner ce goût-là de réfléchir en regardant, ne fût-ce que les noms, ne fût-ce que les images, ne fût-ce que peut-être les photos de ces gens-là. Ça peut aussi nous inspirer à réitérer les mêmes combats et à donner ces mêmes combats aux générations futures. Merci. Mbote ndeko. Mbote madame journaliste. Ndeko tokiti sur terrain ko échanger na ba imboka o tokuti na o esika na likambetali date le 4 janvier pour na mboka na biso et tant kongomani ya solo tant o kanisa ka tant o mona to koma le 4 janvier et ça la raoni mpenza. Merci pour na mutuna ya date ya le 4 janvier. De l'autre en 2022, autres au Kanisakaka, bah martyr de l'indépendance, bah y'a Bakoufaki, bah Tangisaki Makila na Bango, pour être mboka na biswe koko kozala na libre, pe liberté d'expression d'engue te komo lo balelo. Yango, à mémoire y'a ba onyo so Tangisaka Makila na Bango, neomoni gouvernement na biso. Et tu as dit que 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 tu mémoire dit que tu as dit que tu as jour férié malgré au moni moi tu tellement que na Congo as système ya article 15 au moni ba imboka ba sous ba vani na bandaku ba sous ba ko sala ba sport ba sous ba ko teka ba sous ba ko vanda na ko réfléchir. Comment ça s'est passé dans le temps passé ou non? Mais ngo to moni olobi likambo ya sacrifice. Est-ce que sacrifice oh ba ancien wana bazalaka nango pour na bolingwa mboka pour na repenser biso moi déjà li dusu na wé telle indépendance lelo esprit et sacrifice wana na kati na biso ba congolais est-ce que to za nango? Madame Mutuna na yo eza kitoko mingi. Et belé ya ba kongomani lelo to zo mona sacrifice ezali susu mingi te. La plupart, je dirai à tous les Congolais, tous ont un vrai sens de bon mot. Oyo, ils ont un bateau Oyo, parce qu'ils sacrifient. Pour être les lotos à l'endigne, tous à bouillir. Tout craché dans la mémoire, na bangote et singeli tout honoré. Tout l'andissa pas Oyo, bango va salakanze la wana. Pour être Congo, na biso et qu'on retrouve souveraineté na yango, ben sourire ya kitoko na elongi ya Congo man nyonso. Mais tant que biso moko to komiko yina na Congo, eza mabe mingi. To tracer chemin moko, to landa yango, na ba konzi ya mboka, pour être Congo na biso et qu'on kozala uni. To ko kozala divisé te, division de au moni bango na ba ko profiter biso. Nayango balobi ba martyr na biso bazaki bato ba pesaki mo lidusu na o etali indépendance lelo congolais indépendance to lo bango za vocabulaire indépendance est-ce que congolais aza réellement indépendant? Congolais azali indépendant mais pas totalement indépendant puisque vous savez dans le monde actuel Mindele balinga ko pesa ba injonction. Mais tant que nous sommes un pays souverain, il y a un homme qui est là, qui est là-dessus, pour être Congolais, à cause de l'indépendance, il y a solo solo. Il y a un homme qui est toujours là, Congolais, d'abord, à soutenir ma institution en place, à soutenir ma conscience, à ma prière,
à soutenir Pembo Kanaye pour être toko kokozala, pour garder l'unité nationale. Ce qui tozali uni, c'est ça même la vraie indépendance au toko kokozana yango, surtout Bolingo. Et tout mon amboka so que le bali le bamoko na baeba kufa na baeba zali ti le lo en rapport na date ya le 4 janvier li le banu asuka ezani na kopesa matondo mingi na baeba so ba sacrifier bo moyi na bango pe batangisaka makila po na mboka oyo nzambe tata mokonzi abate le milimo na bango pe na kimia po ete wo bango basalaki ezalaki po na ba famille na bango te ezalaki pour toute une nation. Nazali kosenga na baye batikali ndenge tozali awa bakoka na ko persévérer mingi mingi na prière totika banzela ya pamba pamba wana puisque molongi si ya solo ezali kaka nzambe tozala pe na bolingo ya kolinga mboka na biso yango nde kosala ke tokende liboso nde maloba suka yango. Merci madame. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Nous sommes sur terrain pour échanger avec la population quinoise en ce qui concerne la date du 4 janvier. Déjà, qui vous rappelle cette date? La date du 4 janvier est la date de mon et de Bissau, parce que ça rappelle en fait les émeutes Oyo, Papa Nabisso, Salaki, 4 janvier 1959. À quelques jours avant l'indépendance, Bazalek au Senga, indépendance au Bissotozo vivre en Ango, et donc ils ont été réprimés, Emetouana a été réprimé dans le sang, Koufa avant l'indépendance, Yango Tokanga Datouana comme étant une journée d'indépendance, une journée de Yaba martyr de l'indépendance. Sur ces 4 janvier 1959, 4 janvier 2022, soit 63 ans déjà, comment analysez-vous la détermination de ceux-là qui ont bravé la dictature coloniale? Mais je pense qu'il faut tous aller à souvenir Nabango pour nous souvenir qu'il y a Batmoussouso Bakoufa pour nous vivre en indépendance et qui indépendance c'est Zélo Komoko qui se combat, qui se conquiert tous les jours. Tolobi que tous indépendance en 1960 le 30 juin, mais en réalité indépendance wana ezali mikolonio sondu il faut tout combattre pour que nous restions indépendants parce que la volonté de tous les peuples ezate que biso Congo totika l'indépendant biso nde photo bunaka mikolona mikolo année après année quand nous célébrons badati neti mikolo lelo quand nous célébrons le 30 juin toyeba que batu oyo batangi sa makila pona biso tozala lelo libre indépendant ngainayo. Bana Congo. Aujourd'hui 4 janvier tozo kanisa bande ko bakufa pona commémorer martyr de l'indépendance. Est-ce qu'aujourd'hui ozo kanisa ke ba congolais toza capable ya ko revendiquer ndeti ba o wana basalaka lelo congolais est-ce que toza capable ya osala nde baninga msu basalaka? Bon, au moni congolais aza peuple moko souvent balobakanan congolais aza boza bomé le congolais. C'est un peuple qui n'est pas mort. Le Congolais a peur pour moi quoi surprenant Kabatou. Et je pense que si c'est nécessaire, le Congolais a capable à côté les mapes côté la place nini à Kosenga indépendance naeto droit naie. Alors, comme dernière question, les lois to commémorer martyr de l'indépendance y a bande ko bakufa ka so ko ki ko lobali loba moko na baye batika biso pe ko lobali loba moko na baye o baza ti lelo en rapport na indépendance lobano ezalani. Ngai lelo banaina lobaka ka en tout cas, je salue encore ba père de l'indépendance eza ba martyr oyo bakufa le 4 janvier 59. Ezali batuneti ba Patrice Emery Lumumba, ezali batuneti ba président Kasavubu, batwana nyoso tout ba sala biso cadeau noko inestimable et cadeau wana oyo biso tozwa esengelito to chérir yango. Et sengelito bosa na kate que l'indépendance eza vraiment la clé ya makamubele et puis na batu o bazali ko sunga biso na ko kamba biso lelo ko yebisa ko rappeler bango que ce pays indépendant oyo ba père na biso ba reva kinango eza un pays où le Congolais n'est pas le prédateur des autres Congolais, où le Congolais azali ko sala que moninga na Congolais azala na esengo na mboka na ye, et c'est pas un pays où le Congolais est à la fois maître et puis esclave. Eza pays oyo il faut to bunda pour que to vivre na bondeko, vivre na solidarité, na fraternité, et non pas un pays où à chaque fois qu'on a une parcelle de pouvoir, au comico écrasé baninga et
Nabadat, il y a bon des photos se souvenir Nango. Quel est le prix de l'indépendance et quel est le comportement responsable aujourd'hui, maintenant que nous sommes indépendants? Bonjour madame. Aujourd'hui c'est le 4 janvier. Que pensez-vous de cette journée et votre impression par rapport à cette journée? Aujourd'hui c'est le 4 janvier. C'est une journée de martyrs. Ces gens qui sont donnés pour qu'on ait l'indépendance. Alors l'impression que nous avons, c'est que cela fait à peu près, si vous prenez 1964, 59, oui, jusqu'à présent, ça fait au moins 63 ans. Et quand vous regardez la situation du pays, ne s'est pas tellement amélioré. Malgré qu'il y a un nouveau pouvoir qui est là, les changements, tout ça, on constate que les choses ne s'améliorent pas. Alors, nos impressions, elles ne sont pas bonnes parce qu'on s'est dit, ces gens sont sacrifiés pour nous, mais nous qui sommes restés, qu'est-ce que nous faisons pour le pays? Encore nous aidons le pays pour qu'il puisse avancer. Plusieurs Congolais meurent et puis les autres citoyens meurent pour l'indépendance ou la liberté de ce pays. Pensez-vous vraiment qu'il y a une liberté dans ce pays? La liberté totale? Oh, la liberté, si, par rapport à ce qui a été depuis ces années-là, au moins, on est libre. On est libre de pouvoir s'exprimer, on est libre de pouvoir faire ce qu'on veut dans les limites de la loi. Les gens sont libres aujourd'hui de pouvoir s'exprimer, surtout avec le nouveau régime. Il n'y a qu'à voir comment les opposants font leur meeting librement, ils parlent, ils critiquent le président. Aujourd'hui, on peut se dire que sur le plan de la liberté, sur le plan de l'expression, les gens quand même sont libres de pouvoir revendiquer leurs droits et de pouvoir dire ce qu'ils pensent sans être inquiétés par les autorités en place. Chaque fois, il y a toujours des citoyens qui meurent, mais il n'y a pas toujours un changement. En tant que Congolais, nous sommes dans une nouvelle année. Que pensez-vous améliorer par rapport à ce genre de drames dans notre pays? Alors, ce que nous voulons, c'est que les autorités, nos autorités qui ont été élues depuis 2018, qu'ils aient conscience de la situation. En tout cas, la sécurité aujourd'hui, c'est un grand secteur où lorsque l'État s'y met, nous allons nous développer. Ce que nous leur demandons, c'est de faire tout pour que le Congolais soit sécurisé partout où ils sont. Bonjour, maman. Nerotokiti sur le terrain pour échanger na ba imbo kao to kutina o esika na likambetali journée à le 4 janvier. Et toi, mon amboka d'abord, journée où il rappelle à Yoni. Journée où attend que mon amboka rappelle à Bissot histoire, mon n'est pas amboka na Bissot Congo parce que tu es bien le 4 janvier, des jours, oyo, bah, signe, oyo, y a indépendance, et bandai déjà, comme il y a qui s'aka, n'a pas vaya héros, ou bien, ou bien, ça pond en boca, ou y a bison. Lelo soto okanisa bango tozo commémorer date o na ba nyoso batika biso po ete tozo independence e salondeni ezo salanga mawana courage ambo na ya mukili parce que bango bande kona biso ba mipesa po na mboka ti lelo to mona ta lelo kwa malonga o basalila bango ezate yangwana o mona pesa sangwa mawa na sangwa courage kesi bango pe babundaki po na tozo alipanda besoin d'indépendance, tu m'as appelé pays indépendant. Est-ce que tu es réellement le cas? Congolais est réellement indépendant? Non, non. En parlant, tu es indépendant à Koloba, mais pratiquement sur les plans pratiques, tu es indépendant parce que tu es au monde à Macambébélé. Ils ont une injection de bateaux, une grande puissance, une grande puissance, une grande puissance. Sur les plans politiques, au monde, tu es un bateau de bateau. Angolelo, est-ce que courage pe bravo oyo ba pa kanabiso ya kala ba kufara pour la marche indépendance ba faire ba la kisaka, est-ce que biso ba congolais ya lelo ton qui peut aussi lelo modèle wana? Pourquoi pas to ko ça lango parce que to zo mona sur le plan politique to mona ka ke pour mon temps pouvoir faire au sol na ba mindele yangwana biso to ko ça lango pe to banda ko dépendre entre nous les congolais to ça ma ka biso entre nous les congolais. Et moi, je suis allé le 4 janvier. Si je suis allé à la maison, je suis allé à la maison. 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 Merci maman. Mbote ndeko. Mbote maman na biso.
de retoquiter sur le terrain pour échanger na baimboka oto kuti na oesika na likambetali journée le 4 janvier et ton mon mboka ton oyo okanisa radate oyo ton moni to komi le 4 janvier et ça la yonde ni to ezo salone. Merci madame pona motona oyo tonanga tant to koma ka le 4 janvier pona tozo kanisa ba oyo bande konabiso o batika biso oyo babondele pona mboka oyo bakufa vraiment esala biso passe na motem toza balobi ke soki moninga za na mawa il fallait kolela bolela ensemble yango na tozolela na baninga baninga na biso bakufa batika biso esa biso mawebele akati ya motem. Na yango ba martyrs ba kufara po na independence o e bandeya deja ko s'annoncer pe le lo RDC zora independence. Independence ko loba na ko mona est-ce que mboka na biso toza réellement indépendant? Mais tozo loba ke indépendance ya biso ya bana mboka ya Congo mais nanu evandi nanu vraiment bien te. On a soki ba to bazui indépendant ba to na baza à l'aise. Mais tu as fait la belle indépendance. Surtout le 4 janvier. Vraiment, non. Mawa. Et c'est là qui mawa, ma casse. Il y a un peu de que tu as fait la réunion sur le Congo. Tu as fait la réunion sur le Congo. Tu as fait la Lola a battu la bana Congo. Na bawe batikale, bawe bakufa. Tobongisi baninga indépendance na biso otozotal est-ce que Congo biso to bandi ko lobake tozo ak indépendant to mona ngona eloko te na indépendant eloko ata moko te o to mona ngona kata indépendant yangwana tozo senga kaka ba oyo bazali kolo na biso baye bandenge ya kovandisa masolo yake mona nyoso Congo asepela. Aïe, bah que non, tous sont indépendants. Tout à l'heure, non, indépendance et abisso et bandit. 2022 en gros, pour l'indépendant. Ce qui est madame Anaso, tout à l'heure, tout à l'heure, ce qui est belé à battre, oyoto, bah, koufa na kata indépendant. Bah, c'est belé. Na bambangu, na maladie, na masasi, bah, zobouma. Bazo kote na bato na bandako bazo buma. Est-ce que wana eza indépendant? Eze indépendant. Na yango lelo baninga bakufara po na esprit sacrifice. Est-ce que lelo Congolais toze sou na sacrifice o baninga bakufara martyr de l'indépendance po ba misou babika? Lelo Congolais toze an esprit wana? Oh, esprit wana esali. Mais tozo bo ya ke, tozo nga na babilo ko ya lesosu ya kalawana te, to senga ka nzambe abatela biso to kola soki nzambe alinga zo moto azui moto na kimia moto kufa bien mais indépendant na biso to kufa na bambangu na masasi ebele o ba kufa batika biso na mboko e ba sa bele ba se bele ba histoire ze bele to zo zanga na moya ko lobango soki to zo kanisa ba histoire wana oyo e uti koleka moni ezo pesa biso pusa kolela mingi ozo bona moninga na yo kongole aso boma moninga na ye aso beta ye masasi on dire nyema vraiment tazo senga biloko oyo ezo ngela biso le susute en tant que tozui president ya sika Fati Beto makambo oyo tozo ngela le susute mwa la nyoso Kongo tozala a l'aise. Tous à l'aise, penza. Tout ce qui la peut, bana na biso. Donc, on a parlé na biso, ba koufa, ba tika biso, na bambangu, na masasi. Vraiment, mais ba oye biso bana totikali. Tout ce qui la bana na biso, bisaleli wana te vraiment. Tozo senga mwana nyoso Congo, que tosimbana. Tosimbana maboko, toza la moto moko. Tous les Congo, toza moto moko. Tolinga la penza. Merci madame. La paix se bat dans nos sangs.
mboka ya Congo pesi bino bonane bonsoir babonane mbula sika makabwa sika 2022 ezala le pambole na biso bana Congo to tombola libendele na biso to pesa FRDC na biso oyo bazana côté ya est to pesa bango penza makasi zamba lola abatela bango bisika bazali munguna akota te abundisa Congo te tozala en forme vraiment merci nabino 2022 ezala nabino FRDC merci merci to simbana na maboko Tozala okingani te toza bato moko toza bana Congo moko tata moko mama moko libota moko ya Congo FRDC merci. Pendant cette émission, vous étiez nombreux à suivre les avis des uns et des autres quant au sujet donné. Si les images d'aujourd'hui vous ont plu, disons tous un grand merci à Jacob qui était derrière la caméra. À vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre réelle et sympathique attention. Restez-nous fidèles d'ici là, portez-vous bien. Ciao.